Clermont a remis ce ballon à Lasland. Et duel, duel, Koné, Camara. Koné peut-il prendre de vitesse, Camara? Oh, la belle frappe de Baki Koné. 36e minute, l'OGC Nice mène 1-0. 11e but cette saison pour Baki Koné. Mais quel jeu astucieux de Lilian Lasland au départ de l'action, Grégoire. On va revoir ça au ralenti. Ensuite, la frappe de Koné, elle est somptueuse. Il a enfin marqué à l'extérieur. Oui, il a enfin marqué à l'extérieur, c'est vrai, avec ce ballon enveloppé. Regardez bien, c'est Ara qui involontairement redonne à Lasland. La temporisation de Lasland, ensuite ce ballon pour Koné. Le bon contrôle, il évite son adversaire. Et ensuite, cette frappe enveloppée au deuxième poteau qui ne laisse aucune chance à Michael Landreau. Regardez, c'est fort, c'est puissant. Quelle belle frappe de Koné. Tu penses que ton équipe devra avoir plus de maîtrise que ça dans un match comme ça? Je pense qu'il y a la place, on a l'équipe pour aussi, donc voilà, il faut faire douter Paris le plus possible en gardant le ballon, et comme je l'ai dit, quand il y a l'occasion d'aller mettre deux secondes, il ira mettre second.
attention parce que le ballon pas aller vite. Quelle fin de match, un vite avec Bakikone face à Sylvain Armand, duel dans la surface de réparation parisienne, intérieur extérieur. Oh, il fait la différence tout seul. À Paris, la qualité, le feu d'un le talent comme ça. De Bakikone qui vient égaliser pour l'OGC Nice. Il a été surpris il y a 10 secondes. C'est lui maintenant qui surprend tout le Paris Saint-Germain de partout. Et là encore, hein, la qualité de dribble, certes un peu de réussite parce qu'il y a un contre favorable pour Bakikone, mais il y a le bon ballon d'Elbic, on va le revoir dans l'intégralité. Là on voit la fin, là il va face à Sylvain Armand et le pointu qui surprend Michael Landreau. Que c'est bien joué de la part de Bakikone. Avec Apam qui a trouvé Ederson. Oh, il a tenté, il a réussi. Oh, il a réussi, Ederson. Oh, oh, et troisième but pour le GC Nice qui vient totalement inverser encore cette rencontre en deux minutes. D'abord Collé, ensuite Ederson pour son cinquième but de la saison. 3-2 pour Nice. Oh, quel exploit, Grégoire, de la part d'Ederson. C'est vrai que, rappelez-vous, à un moment, le transfert d'Ederson à Lyon avait un peu déstabilisé l'ensemble du groupe niçois. Et bien là, superbe réponse de Ederson. Frédéric Antonetti est absolument ravi parce que regardez ce qu'il réussit